Voilà une nouvelle vidéo sur l'isolation des caissons de volets roulants, des caissons anciens en bois d'une maison toujours des années 30. Vous avez des caissons comme ça qui ne sont pas du tout isolés. Voilà. Donc là, on va voir le contre-mètre de surface. Dehors, il fait pas trop froid encore. On est en plein mois de décembre et le 13. Donc là dehors c'est 7,5 sur le mur. Ici 7, 7, 7, 6, 7, 5. Oui, 7,5 à peu près. Voilà. Donc on va voir dans une des chambres ce que ça va donner. Avant l'isolation et après l'isolation. Voilà, donc aujourd'hui la température. Sur le caisson, c'est 11 degrés. La fenêtre, 11. 17, 15. Et les murs, c'est à 16. Donc l'intérieur du volet. Donc celui-là a été remplacé, c'est un volet en plastique en fait. Donc il va falloir isoler cette partie-là, le haut et le bas. Mais pas de façon symétrique du coup avec les deux. Voilà. Donc là c'est le. Ici. C'est en bourde avec le plancher du deuxième étage. Voilà. Voilà, comment couper le polystyrène, c'est vraiment plus simple. Je vais s'en mettre. Voilà. Donc là, c'est 23 cm. Je vais le mettre là. Il suffit de donner 2-3 coups de cutter assez horizontal au début pour marquer la ligne. Hop là. Faire un peu plus profondément. Un troisième passage, toujours dans la même ligne. Le cutter et on donne un méchant coup. Bon machin. Voilà, c'est coupé. Après, il n'y a plus qu'à poser. Voilà, donc pour poser. Le mieux, c'est un pistolet à colle. Ça colle mieux que la colle au pistolet tout simple. Donc là, il faut aller jusqu'au bout. Donc faire
Une autre découpe au pifo. Comme ça. Après là, c'est pas simple. Je vais prendre deux bouts. Trois. Donc il va falloir couper. Tout à fait. Ici. Jusqu'à à peu près. Voilà, donc là, il faut vraiment avoir le compas dans l'œil. Et puis après, voici. Ça rentre ou pas? Si ça rentre du premier coup, c'est un coup de peau. Oh, bah, disons que ça rentre. Et je vais me couper un peu trop grand. Je vais faire, je vais rattraper l'autre bout. Il dort pénalement. Hop, je vais remplir avec de la lumière. Donc voilà, donc j'ai mis du 5 cm. Et de la laine de verre et du papier, de l'aluminium. Voilà, entièrement démontable, seulement c'est posé. Les horizontaux sont collés. La colle à chaud ou la colle à froid, parce que la colle à chaud ça fait des fonds de 2 cm. Donc voilà, il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Et voir ce que ça donne. Voilà, donc maintenant, regardez la température. Donc sur le mur, on 6. Sur ce mur-là, on 6 aussi. 11, 9, 12. Voilà. Ouais. Vous dire que la maison en bas est chauffée à 14. Hein? Pas plus. Donc on est à 11, 6 de moyenne. Ouais, il aurait pu travailler plus. Hein. Là, 11, 5. Normalement, c'est plus froid. 10, 2. Et donc là-haut, normalement, on devrait avoir avec l'isolation. Alors, on est bien, on est 12, 7. Alors, tout à l'heure, c'était beaucoup plus froid. Voilà, donc après, il faut voir où ça sera chauffé plus. Alors, en tout cas, c'était un.
un pont thermique important qu'il fallait régler. Voilà, c'est même plus chaud que les murs. Allez, bonne journée.